Alors les amis, on va voir ensemble la prochaine prime des Mugiwara et des Kid Pirates, sans oublier les Law Pirates. Est-ce que les primes vont augmenter de manière drastique? Ou est-ce que ça va augmenter juste un peu? On va voir quelles seront les primes de ces Mugiwara. Vous serez étonnés de voir certaines primes. On va commencer du plus bas jusqu'au plus grand. Donc avant de commencer, je vous mets au défi. Mettez une pause là présentement et mettez en commentaire les primes que vous pensez que chaque Mugiwara va obtenir à la fin de ma vidéo. Et on se retrouve à la fin de ma vidéo pour voir si vous aviez raison ou si vous n'avez pas réussi à trouver ce que moi j'ai réussi. Mais avant de commencer, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne et pour être présent et savoir lorsque mes vidéos vont sortir. Donc sans plus attendre les gars, je balance la sauce immédiatement. On commence par la plus petite des primes et à la 14e place on retrouve Chopper qui aura le plus gros multiplicateur de tous. Sa prime sera multipliée par 10, ce qui lui permettra d'atteindre un total impressionnant de 1000 berries. Chopper qui a été considéré comme un animal de compagnie jusqu'à présent, qui n'avait pas une grosse prime, là après ce qu'il a eu à faire, il a réussi à contrer les maladies de Queen. Donc je pense qu'il va être pris en compte. Ça ne sera pas énorme, mais 1000 berries pour commencer avec Chopper. À la 13e place, on retrouve Carotte, qui ressemble beaucoup à Pedro. Je ne pense pas qu'on la prenne pour un animal de compagnie. De plus, si Carotte finit par recevoir une prime, ce sera drôle qu'elle soit prise au sérieux alors que la prime de Chopper est toujours un gag. Si c'est basé sur sa forme normale, quelque chose d'assez petit, mais toujours légitime comme 15 millions de berries. Je pourrais voir ce chiffre monter beaucoup plus haut si le Soulong est pris en compte. Je suppose que Nami, Franky et Brook vont obtenir environ 100 millions d'améliorations juste pour avoir été associés à Luffy. Bien que je puisse imaginer que Franky soit ennuyé de ne pas avoir encore atteint les 200 millions de berries. Donc je mets Nami à 170 millions de berries, Brook à 188 millions de berries et Franky à 199 millions de berries. Là les amis, on franchit directement le cap des 500 millions de berries avec Usopp. Je peux imaginer qu'il soit crédité de quelque chose de ridicule. Par exemple, si le CP0 a l'impression qu'il a pu laver le cerveau de tous les gifters du côté de Kaido et qu'il a 8000 adeptes. Ce gros menteur va franchir les 500 millions de berries avec sa propagande. C'est monstrueux et démentiel. Après Usopp, on passe aux choses sérieuses. On monte en puissance et on a les membres les plus puissants de Wano Kuni qui se sont battus. On va directement avec notre timonier Jimbi. 800 millions de berries. Entre la trahison d'un empereur et la survie, l'adhésion au chapeau de paille et l'implication dans l'attaque d'un autre empereur, je pense que la prime de Jimbi va augmenter considérablement. Mais pas autant que celle de Zoro ou de Sanji, puisqu'ils ont vaincu les deux plus puissants commandants de Kaido. Donc Jimbi s'arrête à 800 millions de berries. J'aurais aimé lui donner un peu plus, mais son adversaire, qui est un Tobi Roppo, n'a sûrement pas une prime au-dessus de Slam. Yamato, Yamato, la fille de la créature la plus puissante au monde. A partir de là, on franchit le cap du milliard de berries. 1 milliard de berries pour Yamato. Ce n'est qu'une supposition et c'est absurdement élevé pour une première prime. Mais en fonction de ce que Yamato fait ou de la façon dont cette connaissance est rendue publique, je pourrais l'avoir obtenu une prime élevée pour être l'enfant d'un empereur et la créature la plus forte. Et trahir cet empereur pour rejoindre les chapeaux de paille, c'est ce qui se passe. Et on a vu qu'elle a pu tenir tête à Kaido pendant un certain laps de temps.
pour moi, elle est aussi puissante que trois commandants de Yonko qui sont au milliard de Berry. Donc je mets Yamato à 1 milliard de Berry. Sanji, notre cher cuistot, après avoir battu Queen, qui avait une prime d'environ 1 milliard 300 et quelques, alors Sanji aura une prime de 1 milliard 350 millions de Berry. Ce qui est pratiquement pareil à la prime de Queen. Donc là, je pense que c'est une prime qui est assez méritée et ça montre son niveau. Juste après Sanji, on a Zoro. 1 milliard 400 millions de Berry. Il est le bras droit de l'actuel 5e empereur. Il a vaincu le plus fort commandant de Kaido. Je le vois bien gagner une prime légèrement supérieure à celle de King et de Sanji. Donc je le place à 1 milliard 400 millions de Berry. À la 3e place, vous allez être surpris de voir Nico Robin. La plus grande menace qui pèse sur Robin est toujours celle du gouvernement mondial. Puisque, depuis l'âge de 8 ans, il la traque impitoyablement. La persistance du gouvernement mondial et son point de vue sur la menace qu'elle représente ne cesse même après un saut dans le temps, comme lors du raid sur Onigashima. Le gouvernement mondial a envoyé de nombreux vaisseaux à Wano, ouvertement pour annexer Wano au gouvernement mondial, mais secrètement avec un second ordre pour ses agents arrivant sur place avec la capture de Robin, la considérant toujours comme une menace pour le gouvernement et les secrets qu'ils essaient de cacher au monde. Cet ordre a été mis en exécution plus tard, lorsque des agents du CP0 ont poursuivi Robin et Brook dans le château. Robin se demandant pourquoi le CP0 était à Wano et elle ignorait qu'elle était toujours une épine dans l'œil du gouvernement. Je pourrais voir Robin recevoir une prime absurde de 1 milliard 500 millions de Berry. Là, on est en train de monter, on se rapproche des 2 milliards de Berry. Enfin, on est dans le trio, le monster trio des primes de Wano Kuni. On va directement à la 3e place avec Trafalgar Law, avec une prime de 2 milliards de Berry. Elle a combattu Big Mom avec Kid. Les deux ont été vraiment monstrueux et démentiels. Ils ont réussi à défaire la femme la plus puissante au monde et à la faire tomber sur Wano Kuni dans la lave. Présentement, là où je suis en train de tourner cette vidéo, on n'est pas encore sûr que Big Mom est morte et les KO, elle ne reviendra pas. Donc, pour avoir fait tout cela, Trafalgar Law a une prime de 2 milliards de Berry. Captain Eustace Kidd. Alors, je le mets à une prime de 2 milliards 500 millions de Berry. Kidd a fait pratiquement ce que Law a fait aussi. Mais on a vu clairement qu'entre les deux, Kidd était au-dessus de Law. Donc c'est pour ça qu'il mérite une prime de 2 milliards 500 millions de Berry. Et ouais, nos supernovas ont monté en grade. Ils ont monté en puissance. C'est vraiment démentiel. Et maintenant à la première place, vous savez de qui il s'agit. Vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de Luffy. Il s'agit de Joy Boy. Nika. Le fruit du Zoan du Ito Itonomi, l'homme le plus recherché au monde désormais, Luffy. Il s'est éveillé au rang de Dieu. Luffy aura une prime de 5 milliards de Berry au vu de ce qu'il a fait. Je pense qu'à la fin de l'arc Wano, la prime de Luffy sera encore plus importante que celle de Kaido et de Big Mom. Il est évident que les 5 anciens craignent beaucoup le potentiel de Luffy et ont même ordonné au CP0, la plus haute agence du gouvernement mondial, d'éliminer Luffy alors qu'il combattait Kaido, en raison du risque qu'il gagne et perturbe l'équilibre du pouvoir dans le monde. Cette peur était si grande qu'ils étaient prêts à mettre Kaido en colère et à sacrifier l'un de leurs meilleurs agents dans le processus. L'une des principales raisons pour lesquelles ils craignent Luffy est la véritable nature du pouvoir de son fruit du démon qui, une fois réveillé, lui confère le pouvoir le plus ridicule du monde. Je suppose que le mérite d'avoir battu Kaido et Big Mom va être partagé entre Luffy, Kidd et Law. Luffy se taillera la part du lion puisqu'il a vaincu Kaido seul et que les Morgans de Big News prétendront probablement que Kidd et Law travaillaient pour Luffy. Mais je suppose que les primes de Kidd et Law subiront également une énorme augmentation puisqu'ensemble ils ont vaincu Big Mom. Alors les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous êtes d'avis avec moi par rapport à mon classement ou si vous avez votre propre classement. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire avec les différentes primes pour chacun des Mugiwara et de Kidd. Alors,
pour ajouter un truc, je suppose que si Yamato ou Carotte reçoivent des primes, ce sera pour les encourager à voyager avec les chapeaux de paille. Un peu comme avec Franky. Non pas que l'un ou l'autre ait besoin de cet encouragement, mais cela leur donne une raison de quitter Momonosuke Inzu respectivement. Alors, les amis, pensez-vous que Yamato et Carotte seront des futurs Mugiwara où chacun va rester soit sur Zou ou soit sur Wano Kuni? Dites-moi cela en commentaire et donnez vos avis, j'en ai besoin. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Et on se retrouve prochainement pour le chapitre 1051. Peace les gars!